Claude Dartois est un des candidats légendaires de l'émission Koh-Lanta. Après 3 participations, le papa de 2 enfants revient dans la saison Koh-Lanta, la légende, aux côtés de 19 autres aventuriers emblématiques. Pour tenter d'enfin remporter les 100 000 euros à la clé. À chaque participation, Claude Dartois est parvenu à se hisser en haut des poteaux. Et s'il affiche un palmarès aussi flamboyant, c'est qu'il sait se plonger corps et âme dans l'aventure. Sans regarder derrière lui. Mardi 24 août 2021, le compétiteur a donné le ton en remportant l'épreuve d'immunité à l'issue d'un parcours du combattant en 13 étapes. Je n'ai pas été revanchard. Je pars dans l'optique de donner le maximum et de prendre du plaisir à me dépasser. À combattre. Dans le jeu, je suis en compétition avec moi-même, plus qu'avec les autres. A-t-il affirmé dans les colonnes du magazine Public, vendredi 27 août 2021. Un état d'esprit qui a porté ses fruits puisqu'il détenait avant sa participation à la saison All-Star le titre de recordman des victoires sur Koh-Lanta avec 17 succès en épreuves individuelles. Cette concentration essentielle à ses nombreuses victoires signifie parfois des sacrifices. Enfermé dans une bulle, Claude Dartois refuse de penser à sa compagne et à leurs 2 enfants lorsqu'il est dans l'aventure. Je suis égoïste là-dessus. S'il reconnaît que son absence peut être difficile pour ses proches, il ne transige pas et refuse catégoriquement d'avoir un contact avec eux pendant le jeu. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu trop avoir de nouvelles, de courriers. Je préfère être dans l'aventure, concentré. Claude Dartois l'a d'ailleurs prouvé en 2019 sur le tournage de Koh-Lanta, l'île des héros. Alors que sa femme était enceinte de leur 2e enfant, Claude Dartois a réussi à laisser de côté cette information réjouissante, quand on m'a annoncé sur l'île des héros que ma femme attendait notre 2e enfant. J'ai réussi à me reconnecter. Mais que les fans se rassurent, si l'aventurier sait faire abstraction de ses bouts de chou et de sa femme, il demeure sa priorité. J'offrirai plus de confort à ma famille, une maison avec jardin pour mes fils. Plutôt qu'un appart sans balcon, dans lequel il partage une chambre, affirme-t-il en rêvant des 100 000 euros en jeu.